تكريم روح المهندس المعماري الفرنسي فيرنان بويون من خلال استذكار إنجازاته في الجزائر، أهم ما ميز اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بقصر الثقافة. Et Fernand Pouillon a toujours prêté une grande attention aux êtres humains et à leur culture et à leurs conditions de vie. Et je pense qu'il a toujours essayé, dans ses constructions ici, de se rattacher à ce moment-là et de vraiment d'offrir et de donner aux Algériens, qui étaient aussi son pays, hein, puisqu'il était résident permanent ici, de leur donner les voies d'une architecture contemporaine, mais qui est absolument totalement rattachée à leur culture. الفرنسي فيرنان بويون من أهم المهندسين المعماريين الذين تركوا بصمتهم على العمران في الجزائر قبل وبعد الاستقلال. Il a fait la première démonstration de son talent dans les années 50 quand il est venu résoudre le problème du logement à Alger, invité par le maire d'Alger. Et il a démontré qu'on pouvait faire du logement social en offrant quelque chose de grandiose, alors que ses confrères construisaient des petites boîtes à chaussures dans des conditions lamentables. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à Alger. Et il se trouve qu'il est ensuite revenu à Alger après l'indépendance. Donc son œuvre après l'indépendance, c'est plutôt dans le secteur du tourisme. Il a construit, je sais pas, une cinquantaine d'hôtels. Après, il a fait quelques wilayas, quelques administrations. C'est pratiquement un schéma stratégique du tourisme qu'il a fait à lui tout seul. هذا وشهد اليوم الدراسي مداخلات عدة تمحورت في مجملها حول الهوية العمرانية في الجزائر.